Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Hitman. Je vous retrouve pour vous proposer de faire une deuxième fois la mission de Bangkok Club 27 que je vous avais proposée en mode découverte quand je découvrais, donc comme son nom l'indique, cette mission pour la toute première fois. Depuis, j'ai pu un petit peu plus expérimenter et donc voir certains autres aspects de la mission. Donc je vais vous proposer de la faire. Et on va même se permettre le luxe, puisque j'ai débloqué certains endroits, tiens, dans la suite de notre agent 47, suite qui lui est réservée dans cet hôtel. On va aller placer quelque chose qui pourrait nous servir. Qu'est-ce qu'on va dire? Une petite charge explosive, tiens, pour au cas où ça pourrait nous servir. Et puis en préparation, j'aime bien me mettre quand même, parce que j'attire pas trop les gens avec les pièces de monnaie quand même, je me suis rendu compte de moins en moins. Je vais prendre un petit poison mortel au cas où, ça pourrait servir. Et en lieu de départ, pour dégommer nos deux cibles, hein, le chanteur de rock, si vous avez suivi ma première vidéo de cette mission, et son avocat véreux, on va se positionner eh bien, directement dans la suite 47 de notre agent 47. Qu'est-ce que je dis dans la suite 47, c'est la chambre 205, je crois, un truc dans le genre. En tout cas, on est parti directement dans sa chambre d'hôtel. Je vous avais montré dans la découverte comment on pouvait se faire accompagner à notre chambre, à la réception, mais là, on l'a déjà vu, donc on va s'y mettre directement. Alors, on a déverrouillé un succès en se retrouvant dans notre petite chambre d'hôtel, dans cet hôtel de Bangkok, où nos deux cibles sont aussi dans cet environnement, hein, bien évidemment. Alors, petite visite guidée des lieux. Une petite salle de bain, tout ce qu'il y a de plus luxueux, hein, on peut dire. Et alors, ce que je propose, c'est de mettre un évier débordant. Ou oh, attendez, on va les appeler. Peut-être pas besoin de ça. On va les appeler par le téléphone là, qui est à droite de la réception. Ici, une jolie vue sur la sorte de plage. Bangkok de l'autre côté. Bref. Je vais vous montrer, on va appeler le room service. The minibar has not been replenished. Please see to it at once. Voilà, on a demandé à ce qu'on vienne nous remplir le minibar qui se trouve dans notre chambre, là, dans la porte à droite. On va les attendre, hein. Ce qu'il y a d'un peu embêtant, c'est qu'ils viennent par deux. Mais ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que ça va nous permettre, en toute logique, de récupérer une tenue de personnes d'entretien de l'hôtel. Hello, sir. You called the reception, sir? Oh, yes. I am here to restock the minibar, please. Bah écoute, vas-y, mon gars. On va fermer la porte pour faire les choses bien. Allez, un petit coup d'étranglement à la corde. Et on va l'amener ici. On n'a plus besoin de la corde. Je crois qu'elle va venir d'ailleurs, la fille, hein, il me semble. En tout cas, lui, il va nous servir. Oui, ben, qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Tu sais, c'est pas très beau ce que tu y vas trouver, hein, ma jolie. Est-ce qu'elle trouve quelque chose ou pas? Non. Ah ben très bien. J'aurais pas besoin de faire un massacre supplémentaire. Quoique, ça m'embête que tu restes là, ma grande. On va te faire venir ici, peut-être. Madame, j'ai un problème avec mon évier, là. Non.
elle veut définitivement pas y aller. Hein. Bon, bah écoute, hein. Tant pis pour toi. Elle, on va la planquer ailleurs. Hein. Voilà. On lâche la demoiselle. Pour le coup, on l'a pas tuée, elle. Eh, mais on peut plus l'arrêter. Ah ben, ça, c'est dommage. Parce qu'à un moment, l'inondation, elle va peut-être se voir, mais bon. On aura peut-être le temps de faire la mission telle qu'on l'entend quand même. Allez, mon gars. On va prendre ses affaires. Ce qui va nous permettre, normalement, d'être en bonne posture pour une des opportunités que l'on peut faire concernant l'avocat. Voilà, aux frais de la maison, selon la note de la directrice de l'hôtel, des membres de l'équipe audio de Jordan Cross, donc c'est l'avocat, non, c'est la chanteur, lui, bien éméchés sont rentrés dans la suite royale et l'ont dévasté. Les femmes de ménage sont au travail, c'est pour ça que Ken Morgan et son garde du corps ne sont pas encore installés. Un point pour nous, d'après la directrice, un membre du personnel doit conduire Morgan à la suite lorsqu'elle sera prête. Ça pourrait être vous, 47, je sais combien vous aimez jouer les sous-fifres. Effectivement, allez, on la suit et on va aller chercher notre notre avocat pour le conduire dans sa suite royale. Il est où d'ailleurs? Je pense qu'on peut passer par là. Si personne n'a de petits points blancs autour de lui. Là, on est au restaurant, au bar de l'hôtel plutôt. Il y en a plusieurs, hein, d'ailleurs. Who's the jittery guy over there? Looks like another one of those rock stars. That's Abel de Silva. Alors. He's only one of the most awesome drummers. Le voilà. That is Ken the Brick Morgan, Ken Morgan. Lawyer and corporate fixer. Check again for messages, please. Let's see. No, nothing yet, Mr. Morgan. Mais si. Mr. Morgan, sir. When can I have my suite? Please accept my heartfelt apology for the mishap earlier. The Queen suite is ready for you. Follow me. You know, well, sometimes I wish that I were nous connaissez l'autre. Eh bien, je t'amène dans ta suite. On va s'assurer qu'il nous suive bien quand même. Hein. Toujours protégé par son garde du corps qu'on voit derrière. Alors. Ouais, salut mon gars, salut collègue. Alors, il est toujours là, Morgan. Allez, viens, je t'amène dans ta suite royale. Attention au petit point blanc sur la carte qui identifie des gens qui seraient susceptibles de nous reconnaître, parce qu'ils savent que nous n'avons rien à faire ici en tant que personnel de l'hôtel. Oui, c'est là-haut. C'est bien là-haut. C'est le dernier étage, de toute façon, les suites royales. Allez, viens, mon gars. Tu peux pas bouger tes fesses un peu pour avancer un peu plus vite, s'il te plaît. Voilà, on y arrive. Plus qu'un étage à franchir. Si mon avocat veut bien se presser le pas un petit peu. Allez, Coco. Allez, on y va. Ça y est, t'es bientôt arrivé. My afternoon tea already. Oh, ah, salut les gars. Yeah, okay, sorry, not that funny. Bad accent, sorry. Et donc nous y voilà. Dans cette suite royale. Here we are. I trust everything is to your liking. Definitely. Il va se faire une petite visite d'inspection, je crois bien. Jean-Rob. Let's take a closer look. Inspecter la suite avec Morgan, c'est ce qu'il nous propose pour continuer cette opportunité. Par contre, il me semble, la dernière fois que j'avais fait ça, il y avait une fille du ménage qui avait un point blanc sur la tête. Ah, see there, a smear. As expected. But take care of it, please. Allez, on va te la nettoyer, ta trace. Sloppy.
C'est mieux. Ça te convient comme ça, voilà, on lui a nettoyé. Allez, on continue l'inspection et comme disait notre agent de débriefing, on aime faire le larbin, et ben c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Attention, oui, personne qu'on connaît derrière, ok. Covered in dust. I dare say this so-called cleaning was rather superficial. Allez, on va te nettoyer tout ça, t'es content? Rectify. Go on. Alors, ça te convient, mon gars? Ça y est, il est content. On lui a nettoyé son bureau plein de poussière. Ah. Ça va pas lui plaire, ça, les canettes. A soda can. Oh, get rid of that, honestly. Where's your... Everything seems to be in order here. Ok. On lui a tout nettoyé, il est content. Maintenant, faut trouver l'opportunité de le dégommer. Fais un petit tour par la salle de bain, on dirait. Calcium stains. Why am I not surprised? Ouais, d'accord. Excellently done, 47. Let's make Morgan feel right at home. Ça y est, il se sent comme chez lui, on doit tout nettoyer. Now, David, scene of the crime. Ground zero. Let's take a closer look, shall we? Piers clean. Eh ben voilà. Tu peux inspecter les toilettes un petit peu mieux. Tiens, regarde. Eh ben voilà. On l'a aidé un petit peu à nettoyer les toilettes. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pouvoir le planquer. Target down. Now on to Jordan Cross. Parce que à présent... Ah, voilà. C'est ici qu'il y a quelque chose, le garde du corps. S'est absenté 2 secondes. Le temps qu'il inspecte les toilettes, eh ben, ça a été sa faute. Voilà. On cache notre première cible dans le placard de la salle de bain. C'est réglé pour nous. On va pouvoir s'attaquer à notre cible principale, je dirais le chanteur de rock. On peut donc se lancer dans l'élimination du rocker à présent. On va dire principale cible. Donc on va quitter cette suite royale de l'avocat, du défunt avocat. Et puis aller voir un petit peu ce qu'on peut envisager comme mode opératoire pour le rocker. Et d'ailleurs on va céder en regardant. Au niveau des opportunités qui nous restent à disposition, il y a le micro, ça on l'a fini, l'anniversaire je vous l'avais déjà proposé, ça c'est pas mal, je l'avais fait une fois, j'avais bien aimé. Effectivement, il nous indique effectivement que Dexie Barat a en sa possession un mystérieux enregistrement audio de son client Jordan Cross. Le mystère s'épaissit, Jordan Cross écoutait en boucle un enregistrement audio de la voix d'Anna Ilmore. Cependant, Dexie Barat a confisqué l'enregistrement pour le bien de son client. Je vous suggère de mettre la main sur cet enregistrement. Il s'agit probablement du piège idéal et si mon intuition est juste, de l'occasion rêvée de confronter Cross. Vous pourriez commencer à chercher dans les quartiers privés de Mademoiselle Barat, chambre 404 à l'intérieur de la suite impériale. Alors, effectivement, c'est ce qu'on va faire. On va suivre cette opportunité qui va nous amener donc de l'autre côté, hein, effectivement. L'autre aile de l'hôtel. Look, a manservant.
Bon, après, il va falloir pouvoir y rentrer sans se faire repérer, puisqu'on a ici la directrice de l'hôtel qui nous connaît. D'ailleurs, c'est pas la salle dans le coin, il faut se méfier. À moins que je reprenne mes habits d'agent 47, entre guillemets, je ne sais pas. On va voir s'il n'y a pas moyen de passer là. Lui, il ne nous connaît pas. Mince, là, on est dans un petit cul-de-sac. Ici, est-ce qu'il nous laisse passer, là ? Staffan Lee. Hey, Jeeves. Ah, c'est bon, il nous laisse passer. Ici, ils nous connaissent pas, que ce soit celui qui accompagne l'exterminateur, là, d'insectes. Oh là. Qui c'est qui nous connaissait là, j'ai vu. Un petit indicateur qui sentait mauvais. Donc là, pour aller sur la suite royale, par contre, il va falloir se trouver un déguisement de... Hi, Mr. Butler. De ce côté-là, ces personnes classe qui font partie du staff du groupe de rock. Est-ce qu'ils vont pas vouloir nous laisser entrer? Voilà. Ah, ils veulent pas nous laisser rentrer, donc on va s'écarter un petit peu le temps qu'ils nous oublient. Salut, tiens, ben c'est elle. C'est auprès d'elle qu'on doit récupérer ce fameux enregistrement qui... Oh, le butler! Qui nous indique, qui est une sorte de preuve hein, que le rocker a bien assassiné son ex-petite amie il y a un an de cela. Oula, elle a un point blanc, elle nous connaît. Donc, on remonte, je pense qu'ils nous ont oublié maintenant. Cadavres là. Enfin, des cadavres, pas du tout, c'est des fêtards effectivement. Et oui, là, ici on peut peut-être récupérer un déguisement d'un des membres du staff, ou alors on va le prendre nous-mêmes comme ça. Lui, il a l'air de faire partie du staff, effectivement. On va pas lui briser le cou non plus, hein. On va se déguiser en membre du staff, ça c'est pas mal. Et lui, où est-ce qu'on pourrait le planquer? J'hésite là, pour le moment personne ne vient nous embêter. Est-ce qu'on ne ferait pas... Allez, on le passe par le balcon. Hein. On voulait pas lui briser le cou, mais finalement, c'est pire, quasiment. Comme ça, on va pouvoir... Attention, il y en a un qui nous connaît ici. Là-bas, il y en a un autre qui nous connaît. On va se pousser tranquillement. Le temps qu'il nous oublie... C'est un peu la panique, ils ont trouvé le corps en bas. Aïe. Lui aussi, il nous connaît. On va peut-être se planquer un petit peu. On l'a échappé belle. Alors, on va essayer de rentrer. Ici également, il y en a un qui nous connaît, c'est un petit peu chiant, mais bon.
Voilà, ça y est. Là, on est dans un endroit où on passe incognito avec notre tenue de du staff du groupe. Et donc, on va pouvoir aller dans la fameuse suite. Alors, où est-ce que ça se trouve déjà? Ouais, c'est encore un étage plus haut. Encore un étage plus haut. On va essayer de ne pas se faire repérer. Il faut qu'on retrouve la fille avec les cheveux blancs, là. Là, on est dans l'autre suite royale, donc occupée par les membres du groupe et non plus par l'avocat. Alors là, il y en a beaucoup qui nous connaissent, hein. Il faut faire gaffe. Alors, où elle est? Ah, elle est là. Elle est là, mais d'abord, il faut qu'on s'introduise chez elle, je crois. Et pour récupérer... Ah mais ce qui nous manque, c'est la combinaison du coffre. Trouver la combinaison du coffre. La combinaison du coffre-fort. Mais pourtant, je l'avais déjà fait. Oula. Oula. Si je sors comme ça, il nous repère ou quoi? Non, c'est bon. On a le droit d'être là. Tiens, elle est là, la demoiselle. Jordan Cross, revered and reviled in... Et lui, c'est notre cible. C'est bon, lui, il ne nous reconnaît absolument pas, c'est très bien comme ça. Et pour avoir sa combinaison de coffre à la fille, là, il va falloir attendre qu'elle repasse dans le coin, là, pour être un peu discret, parce que si on voit dans le petit jardin intérieur, là, il y a un ou deux points blancs. Where the hell are you? I feel like I lost my goddamn shadow. Get back up here. Bon, on a notre connaît, c'est notre cible, hein. On pourrait se le dégommer tranquille maintenant ici, là. Hein. Mais bon, on va suivre l'opportunité jusqu'au bout. Attention, il y a quelqu'un qui nous connaît ou quoi? Et qui nous regarde? Non, c'est bon. On est plus ou moins dans son champ de vision, mais... pas de là à ce qu'il vienne... à ce qu'on soit repéré. Allez la fille, tu reviens là s'il te plaît. Ah le bordel qu'ils ont foutu. Ah ça y est, elle a fini son coup de fil là, j'ai l'impression. On va bien regarder aux alentours s'il n'y a personne qui nous repère pendant qu'on va lui voler sa combinaison de coffre. Désolé. Désolé, mademoiselle. Prendre la combinaison de la suite, voilà. Oula. Encore trouvé, là, on va s'échapper un petit peu, tranquillou. Oula, 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 oula. Il y en a qui se reconnaissent de partout, là, c'est pas bon. C'est bien que la porte se ferme, voilà. Très bien comme ça. C'était un petit peu chaud. Prendre la clé USB, c'est parfait. Qui recherche toujours, hein. C'est vrai que là il y a des personnes, un gars du staff qui est tombé par la fenêtre, un autre qui s'est fait, une autre l'agent là qui s'est fait assommer. Bon allez, on va dire que c'est bon là. Ça va, tranquille, on peut sortir. All clear. Stand down. Copy that. Get out of here. Ah, c'est pas ici. Dommage, je pensais que c'était là. Écoutez l'enregistrement et pour ce faire, il faut aller de l'autre côté de la suite, dans la chambre du rocker, je crois. Hein. On va rester discret. Bon, vous, ça vous gêne pas que j'entre ou ça vous gêne? Salut, salut mon gars. Là, c'est un peu les gardes du corps, non? On va les laisser passer, hein, voilà, et pouvoir aller dans la chambre. On va fermer la porte pour faire nos choses discrètement.
Et voilà l'ordinateur qui va nous permettre de lire l'enregistrement. You always put words in my mouth and always stumbling right behind me when I'm trying to talk. I never said that. Never. Ah, là, c'est à la dispute. Selective hearing, that's your problem, you asshole. Excellent work, 47. And now, the moment of truth. I have a glamorous, globe-trotting career, just like you. That doesn't mean I hump every goddamn underwear model I meet it in. On l'attend bien tranquillement, il va entendre ça, le gars. Textbook cliché. Il va forcément revenir. Why? Who the hell do you think you are? You don't do that, Jordan. Not to me. Not to me. Don't! Tell me what to do, Hannah. Oh, right. Yes, that would be your father's domain. Shut up! Shut up! Hey, what are you doing? Stop. Stop. Han? Eh oui, là, il l'a poussé. Oh my God. Au-dessus du gratte-ciel. Jesus. I didn't mean to. Oh shit. What the hell did you make me do? Et en entendant ça, forcément, il veut venir voir ce qu'il s'agit. Ce dont il s'agit. On en profite. Tranquille sur le canapé. Both targets down. Now head towards an exit. On lui tire une petite balle, vite fait, bien fait. Qu'est-ce qu'on fait? La porte n'est pas ouverte, tant mieux. On peut aller le planquer. Alors, où est-ce qu'on peut le planquer? Tiens, là, il y a une armoire qui fera très bien l'affaire, je pense. Notre deuxième cible effectuée. On va pouvoir partir de là. On va passer par la salle de bain. Les escaliers sont pas très loin. Essayez de pas non plus trop se faire repérer quand on s'en va d'ici. Alors là, on est dans le studio, enfin dans la partie de la suite qu'ils ont réquisitionnée pour en faire un studio. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'on sort ici? Ça va être de l'autre côté. Et là, faut faire attention parce qu'il y a un petit point blanc sur un des membres de l'équipe là qui nous connaît de l'autre côté de la porte. On peut le voir ici, là. Il attend et si on ouvre, il va nous repérer, hein, mais je crois qu'après il va regarder un truc derrière. Ce serait pas mal en tout cas qu'il ait cette bonne idée là. Ah, il fume sa clope là. Allez, bouge. Bouge ton corps, mon gars. Ah, sinon, on aurait peut-être pu passer ailleurs, hein, je ne sais pas, peut-être une fenêtre. Là, il a le dos tourné. Donc, on peut y aller. On va pas traîner ici, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et là, il y a plein de petits points blancs. Oula. Allez, sortons d'ici au plus vite. Pas trop si on a le droit d'entrer ici, hein. Je suis pas sûr. C'est qui là? Ah ouais, là il y a des gens effectivement. J'aurais bien voulu un endroit parce que là il y a une sortie qui est pas très loin, mais on n'est pas censé pouvoir la pratiquer puisqu'on ne fait pas partie de. Du staff de l'hôtel, simplement du staff du groupe. Ah, le gars de la réception, il nous connaît, on dirait. Donc au lieu de sortir par cette... l'entrée et la sortie principale de l'hôtel, qu'on a déjà fait lors de ma première vidéo découverte de cette mission à Bangkok, je vous propose de passer par... une sortie encore un petit peu plus discrète, avec
normalement est censé être réservé aux membres du staff. Là, il... Non, il va pas me voir, là. Ah, si, quand même. Il nous voit un petit peu, donc repéré, mais c'est pas grave. Parce que là, on va dire ciao à tout le monde. Et c'est la fin de cette deuxième vidéo sur cette mission à Bangkok. Mission accomplie, avec quelques défis supplémentaires de réaliser qui vont nous permettre d'avoir des options supplémentaires pour cette mission à l'avenir. Et donc je termine cette vidéo de manière assez classique en vous proposant quelques petits bonus en espérant que cette deuxième mission à Bangkok vous ait plu. Je me demande si je vais pas en faire une troisième parce qu'il y a des opportunités vraiment sympas visuellement dans cette mission, d'après ce que j'ai pu voir. Donc je vous dis à la prochaine, profitez bien des petits bonus. Waiting for you. 25 to light. I'm getting apples that are less than 20. What the hell? What the fuck? No, no. The hell have you done? I can't see him. Alert everyone, and I mean... Look out! There he is! Open up! Gotcha, sure. I need to reload! I don't have a visual! Talk to me, come on! Goddamn disappearing! Need a fresh clip over here! Regroup, get a line of sight, and put a cap in this Joker's ass! Got a visual! Oh. There he is! Hey, bro, get the alarm! Move in! Go, go, go! I see him! Right there! To deserve. Whoa!
What the? Canary, what's up, man? Talk to me. Okay, you... Hey, don't... Oh, no. No! Someone call the police! Where's the goddamn police when so we need them? So, you know who it is, or...? He was in a green uniform, like that exterminator. Ah! Help me! Don't let him get away. I can't see him either! Is that...